Charles Pasqua, la tradition de cette émission veut qu'on se touche afin de montrer que ça n'est pas truqué, cette rencontre. On se touche, on se serre la main. Bonjour. Comment est-ce que je dois vous appeler ? Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Ministre ? La fonction actuelle, c'est Président. Tout le monde sait que vous avez commencé chez Ricard. Moins de gens savent que vous avez été plagiste et encore moins de gens savent que vous avez commencé comme détective privé. Eh, vous voyez, c'était la vocation. Parce que ma famille était dans la police, mon père aurait souhaité que je sois commissaire de police, moi je ne souhaitais pas être fonctionnaire. Et puis finalement, je me suis retrouvé un jour ministre de l'Intérieur, on n'échappe pas à son destin. Mais quand vous étiez détective privé, vous faisiez des enquêtes sur quoi ? Des adultères, des... Oui, aussi sur des affaires de vol, etc. C'était amusant. Ah oui, il y a eu des anecdotes assez... Allez-y. Bon, elles ne sont pas racontables. Oh, monsieur. Non. On est entre nous. Non, elles ne sont pas racontables. À propos de la lutte contre l'euro, vous avez dit, alors je ne sais pas si c'est de Victor Hugo ou d'Eddie Mitchell, mais vous avez dit, s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Oui, c'est un peu plus compliqué que ça. Une monnaie unique, généralement, elle intervient comme le couronnement de l'édifice. Là, on fait l'inverse. L'union politique est très théorique, c'est plutôt la pagaille. L'Europe est assez inorganisée, à vrai dire. Et elle compte sur la monnaie unique pour fédérer tout ça. C'est ce que je trouve un peu incohérent. On met la charrue avant les bœufs. Exactement. Je suis frappé par vos connaissances en matière agricole. Donc ça, très bien. Oh, vous allez voir, c'est pas terminé. Oui, j'imagine. Est-ce que vous pensez qu'un gouvernement, qui soit de droite ou de gauche, finalement, selon vous, s'il est pour l'euro, il est condamné à se casser la gueule rapidement? Ah oui, ça, je le crois très profondément, oui. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer pour Jospin. On peut le regretter ou s'en féliciter, mais comme il a décidé d'appliquer la même politique, il aura les mêmes résultats. Vous pensez que là, il s'est transformé en Juppé, en fait? Oh, ce que faisait Juppé n'était pas forcément mauvais, mais les choix politiques l'étaient. Au Sénat, vous avez mis en pièces le projet de loi Chevènement. Si. Et vous avez dit, on va y revenir. Il y a une sorte de menace, même. Non, ce n'est pas une menace. Moi, je connais Jean-Pierre Chevènement, je connais ses positions. Au niveau des idées, elles sont assez proches des miennes. Mais je crois que ce projet de loi tourne le dos à l'essentiel. L'essentiel, c'est simple, c'est à la France de décider par elle-même du nombre et de la qualité des étrangers qu'elle peut recevoir sur son sol. Il vous plaît comme successeur à l'intérieur ? À gauche, c'est probablement le meilleur, ou disons le moins mauvais, comme on voudra. C'est un vrai républicain. Indiscutablement. Ça, vous devez apprécier ça. Oui, tout à fait. On a Balladur qui se présente là pour l'Île-de-France. Vous allez le soutenir Oui, bien sûr. Avec entrain, je veux dire. Avec enthousiasme. Oui, mais montrez-le un peu. Avec détermination. Oui. Vous êtes derrière lui, un peu comme en 95, alors. Oui, je suis derrière lui. Nous sommes tous décidés à faire tout ce qu'il faut pour que la région Île-de-France reste à l'opposition actuelle. Mais ça, c'est vraiment de la langue de bois, ça. Alors. Non, pas du... Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Je ne sais pas. La vérité. Ben, la vérité, c'est ça. Est-ce que le climat est bon dans les Hauts-de-Seine? Non, je dis ça à cause de Schuller aux Bahamas et de Balkany à Saint-Martin. Vos anciens collaborateurs préfèrent le soleil antillais. Ça, c'est la partie un peu apparente du iceberg. Bon, ce sont des... D'abord, il ne faut pas mettre les choses sur le même plan. Mais je dirais que dans les Hauts-de-Seine, on a probablement moins de problèmes. Nous avons moins de chômage dans le reste de la France. Oui, mais je vous parlais de Balkany et de Schuller. Eh bien, Balkany a démissionné, Schuller est aux Bahamas. Si vous voulez envoyer une mission, l'interviewer, faites-le. Vous m'autorisez? Oh, je n'ai pas d'autorisation à vous donner. À propos de Le Pen, vous avez dit, je vous cite, « Le Pen, j'en ai rien à foutre de Le Pen. Il est la voiture balai de nos insuffisances. » Alors, si on en juge par les scores du FN, vos insuffisantes, en tout cas celles de la droite traditionnelle et républicaine, sont nombreuses. Oui, mais c'est vrai. C'est certain. D'abord parce que je crois que nous avons eu tort, globalement, de laisser incarner ou représenter d'une manière abusive, mais c'est comme ça, par le Front National, un certain nombre d'idées, l'idée de nation, de patrie, tout ça, nous ne l'avons pas suffisamment fait. Dans ce pays, il faut qu'il y ait un débat. Il faut qu'il y ait un débat démocratique. C'est dans la mesure où ce débat sera vif entre nous qu'on réduira l'espace du Front National. En Algérie, est-ce que vous pensez que les massacres sont le fait unique des islamistes ? Je crois qu'à l'origine, ça a été le fait des islamistes.
Et qu'aujourd'hui, c'est toujours l'alibi. L'alibi qui est utilisé, c'est la lutte pour l'instauration d'un pouvoir islamique. Mais utilisé par qui ? Utilisé par ceux qui commettent ces massacres. Et qui ne sont donc pas forcément islamistes. Qui sont à l'origine islamistes, mais qui sont devenus davantage des bandes caractérisées par le gangstérisme, le racket, le viol et le pillage. Ouais. Et à mon avis, ça n'a plus grand-chose à voir avec l'islam. Et je pense que si la France prenait l'initiative de demander aux plus hautes autorités du monde musulman et aux autorités religieuses, qu'on demande donc à tous ceux qui incarnent ou prétendent incarner l'islam, y compris l'islam le plus intégriste, si on obtenait d'eux une condamnation formelle de ce qui se passe et qui en réalité relève du génocide et d'un crime contre l'humanité, on enlèverait déjà à ces bandes cette auréole. Je crois que ce serait indispensable. Si d'aventure le mouvement des chômeurs dégénérait et que le président Chirac s'enfuyait à Baden-Baden, est-ce que vous seriez prêt à assumer le... Est-ce que vous seriez prêt à être président de la République ? D'abord, il n'irait pas à Baden-Baden. À Baden-Baden, il n'y a plus rien. Bon, vous savez, il n'est pas très bien informé. Aller... On l'a vu récemment. Écoute, quand zéro, voyons. Soyez plus aimable à l'égard du président. Vous savez que je soutiens le président. Et je ferai... C'est difficile, tout. C'est difficile et à croire. Mais... Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'on n'essaie pas de lui faucher son boulot de dans 5 ans. De 2002, vous voulez dire. Mais ça pourrait être le vôtre. Vous voulez pas devenir président un jour ? Non. Pourquoi ? C'est trop tard. Il n'est jamais trop tard. C'est vous qui le dites. Regardez Mitterrand. Il est mort. Mais non, mais il est arrivé tard aux fonctions. Vous êtes dans la force de l'âge. Oui, écoutez. Soyons sérieux 2 minutes. J'ai du mal. Maintenant qu'on se connaît, est-ce qu'on peut se tutoyer ? Je ne suis pas sûr que votre père aurait aimé ça. Merci, Charles. Je vous en prie.